Yo. <laughs> Les potes, c'est SunTed, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Et on se retrouve aujourd'hui, comme chaque jour de la semaine, pour une vidéo de news sur Fortnite. Et aujourd'hui, attention les potes, franchement, il faut que je vous dise, j'ai pas mal de choses que j'ai pu vous dégoter. Et franchement, vous allez voir, aujourd'hui, il y a vraiment du lourd selon moi. J'ai notamment une énorme nouvelle à vous faire. Mais avant tout cela, je vous envoie le sommaire tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera d'une nouvelle arme que l'on a trouvée dans les fichiers du jeu. On en a un petit peu parlé, vous allez voir, c'est assez dingue. On parlera d'un nouveau piège qui va faire son apparition et il ne s'agit pas des pièges de flèches empoisonnées mais d'un autre nouveau piège. C'est un piège pirate, je n'en dis pas plus, je vous laisserai découvrir directement ça dans la vidéo. On parlera aussi des nouveaux petits consommables que l'on peut manger comme ça. Ils sont assez bons, j'ai pu les goûter, ils font un petit peu la différence. On parlera aussi de l'event d'Opei qui est actuellement l'événement du volcan, vous allez voir, j'ai découvert pas mal de petites choses. Aussi, les vikings ont encore frappé et attention ils ont envahi quelque chose et vous allez voir ce n'est que le début enfin on parlera aussi de l'objet qui va permettre de faire réapparaître votre allié j'ai pu vous dégoter ce à quoi il va ressembler il s'agit d'une petite photo vous allez voir c'est quelque chose dont il faut être au courant aussi vous ne le savez peut-être pas mais les recherches ont commencé et même dans le bunker j'ai pu vous dégoter une petite vidéo qui vous montre ce qu'il y a à l'intérieur du bunker et cela provient directement des fichiers du jeu alors je vous le dis c'est vraiment du super lourd et en encore pire aujourd'hui, si je vous dis que le cube et les incas sont de mèche, le cube a possédé les incas, vous allez voir. Je n'en dis pas plus, c'est juste un truc de dingue. Mais le cube a fait son retour sur Fortnite. Si vous voulez tout savoir, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors du coup, on va commencer la vidéo tout de suite. Mais juste avant, il faut que je vous dise, là, la map créative est enfin terminée. Ça y est, là, maintenant, on peut encore lui apporter quelques petites modifications, notamment quelques petites améliorations. Alors si jamais vous êtes chaud de venir... Un peu la tester en avant-première. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec le petit hashtag mini jeu. Alors je compte sur vous et je le rappelle que la map sortira une fois que l'on aura atteint les 100 000 soutiens dans la boutique du jeu. Alors les potes c'est vraiment très 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 important. Je compte sur chacun d'entre vous car oui vous pouvez faire la différence. Alors un grand merci à ceux qui vont me soutenir dans la boutique. Sunted s -U n t t e d ça me fera vraiment super plaisir et c'est grâce à cela que je pourrai vous faire gagner un énorme lot et des v bucks lors de mon parcours. Alors, un grand merci à vous. N'oubliez pas de me bombarder cette barre de pouce bleus et de vous abonner ainsi que d'activer les notifications. C'est vraiment très important. Alors, merci. Et du coup, on commence la vidéo tout de suite. C'est parti. Alors, pour commencer cette vidéo, il faut que je vous parle de l'arc qui va arriver sur Fortnite. Comme vous le savez, l'arc avait été découvert il y a un bon moment, même pas il y a un bon moment, mais en vrai, lors de trailer qui avait fait son apparition lors du début de la saison 8. Donc, le poteau, on y était un petit peu habitué. Et là, cette fois, c'est dans les fichiers du jeu, on a découvert pas mal. Mal de choses, donc ça y est, c'est sûr, il va enfin arriver. On a découvert des photos et même des petites vidéos qui nous montraient à quoi il ressemblait. Alors, le arc, de toute façon, vous savez très bien ce à quoi il ressemble. Il s'agira d'un arc explosif. Alors, je vous le dis, ça va être une arme qui risque de faire quelques petits dégâts, à mon avis. Si vous voyez ce que je veux dire, tout cela risque d'être assez explosif. Alors, est-ce que vous kiffez cette arme Moi, je vous le dis, à mon avis, elle va faire vraiment mal et on ne manquera pas de la tester lorsqu'elle sortira. Rassurez-vous. Allez, maintenant on va parler d'un nouveau piège qui va lui aussi faire son apparition et il ne s'agit pas du piège empoisonné qui tire des flèches, mais d'un piège de pirate. Et là, vous pouvez vous demander, mais quel genre de piège ça va être Car oui, les pièges de pirate, la plupart du temps, qu'est-ce que c'est C'est des pics. Mais un piège à pic, on en a déjà un. Alors si je vous dis un piège boulet de canon, là, à quoi ça vous fait penser Eh bien, en gros, dans le mur, vous allez mettre un canon qui va tirer automatiquement et ça va ressembler à ça. Regardez-moi cette petite photo. Alors que pensez-vous de ce nouveau piège moi je vous le dis, il va faire vraiment mal. Et j'espère que la portée de ce piège va être augmentée. Car oui, là on le sait, le dernier piège qui a fait son apparition, les flèches ont une énorme portée. Et il se pourrait que les boulets de canon ont une portée bien plus grande que cela. Alors on verra ça. Et à mon avis, ça risque d'être carrément cheaté et super efficace. Allez, maintenant, il faut que je vous parle aussi des nouveaux consommables qui ont fait leur apparition sur Fortnite. Il y a, ah, attention, regardez-moi cette petite photo de la noix de coco, des bananes et des piments. Alors, il s'agit de trois nouveaux consommables qui ont des effets différents. Le piment va vous donner une petite vitesse en plus de 20% sur les déplacements et va vous redonner un petit peu de points de vie. Tandis que la noix de coco et la banane vont vous donner uniquement des points de vie ou du shield. Alors, franchement, c'est assez sympa. En plus de nouveaux consommables, on en attendait. Depuis un bon moment. Et ce qui est assez sympa avec tout ça, c'est que en gros, ces consommables sont vraiment spécifiques aux zones qu'il y a sur Fortnite. Je pense notamment au piment que vous ne pourrez trouver uniquement dans les zones désertiques et arides de la carte de Fortnite, tandis que les noix de coco, vous allez les trouver là où il y a des pirates. Je pense donc notamment à Lazy Lagoon et les bananes dans les endroits un peu plus tropicales. Alors voilà. Maintenant, vous savez tout concernant ça. Et si jamais vous voulez vous faire plaisir niveau nourriture, je pense qu'il y a de quoi se faire plaisir sur Fortnite. Maintenant il faut que je vous parle de l'événement Dopei. Comme vous le savez, un événement va bientôt arriver. Il s'agit de l'événement concernant le volcan. En plus, le volcan est déjà en éruption. Car oui, vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, mais dans le mode sans l'enlave, il y a de la lave partout. Clairement, la map a totalement disparu. Il n'y a que de la lave. Alors voilà, je vous le dis ce n'est que le début de ce qui va se passer prochainement. Rassurez-vous, en tout cas, je vous tiendrai informé. Allez, maintenant il faut que je vous parle du village viking qui a encore frappé. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'envahir le village juste en dessous. Il s'agit de schnobichor Et en gros, ils ont encore envahi une nouvelle maison. Clairement, c'est comme chez eux. Ils arrivent, ils rentrent dans le game, dans la place de schnobichor et ils envahissent des maisons. Alors à mon avis, ce n'est que le début, et ça ne va pas s'arrêter. Mais la seule question, c'est une fois qu'ils se seront emparés de tout Snobyshore, vont-ils continuer l'envahissement des villes de Fortnite? Je ne sais pas, mais cela pourrait bel et bien déclencher une guerre sur Fortnite. Allez maintenant comme vous le savez le van de réapparition va prochainement faire son apparition du coup c'est un petit jeu de mots le van de réapparition qui fait son apparition et en gros grâce à une petite carte que l'on va pouvoir récupérer aux endroits où seront partis nos alliés beaucoup trop tôt, et en gros cette petite carte que l'on va pouvoir récupérer, on va devoir l'emmener aux différents vannes de réapparition qui seront sur la carte de Fortnite dans le mode Battle Royale. Et là on peut se demander à quoi va ressembler la carte car oui forcément on se pose un petit peu tous la question, et bien ça tombe bien. Le poto a pu vous dégoter Une petite photo de ce à quoi ça va ressembler Alors regardez-moi ça clairement Il s'agit d'une petite disquette Moi c'est ce à quoi ça me fait penser Une petite disquette que l'on va devoir rentrer à l'intérieur de l'ordinateur du van de réapparition Et grâce à cela Clairement nos alliés qui seront partis trop tôt dans la game On va pouvoir les ressusciter tel un marabout de Fortnite Et ça c'est vraiment une super nouvelle car oui à chaque fois Moi j'arrivais en game Je me faisais soulever au cric hydraulique Et là je n'avais plus qu'à attendre que mes potes soit se fassent tuer ou sinon termine la game alors au moins grâce à cela il devrait y avoir moins de problèmes allez maintenant aussi on va passer aux choses sérieuses vous ne savez peut-être pas mais les recherches ont commencé il semble que certaines personnes de Fortnite ont commencé leurs recherches dans le but de trouver quelque chose un trésor ou tout simplement d'aller chercher quelque chose qui aurait été enfui et ça a commencé à peu près partout sur la carte car oui là on a remarqué sur la carte il y a de plus en plus de zones qui commencent à être un petit peu fouillées et notamment, les scientifiques ont commencé à fouiller certains endroits, comme le bunker. Regardez-moi cette petite vidéo. Là, clairement, on peut voir qu'ils commencent à creuser bien profond pour essayer de déterrer ou de découvrir quelque chose. En tout cas, je vous le dis, à mon avis, ce n'est pas pour rien, ça doit cacher quelque chose d'incroyable. Alors, à votre avis, la question que l'on se pose, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher Est-ce qu'il s'agit d'un trésor ou d'un monstre qui serait enterré Ou alors quelque chose de bien plus puissant Je ne sais pas. Je vais continuer de mener mon enquête et rassurez-vous, dès que j'aurai plus d'informations concernant ça, je ne manquerai pas comme d'habitude de absolument tout vous dire. Vous serez les premiers au courant, rassurez-vous. Allez maintenant, il faut que l'on parle aussi du cube. Oui, le poteau, le cube, on en entend parler, mais trop souvent c'est un truc de ouf. Clairement, c'est juste complètement dingue ce que je vais vous montrer. Si je vous dis que le cube et les Incas sont liés, qu'est-ce que vous pouvez me dire Là, vous allez me dire, non, c'est une tête, c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas encore le cube. Eh bien si, le cube a possédé certains personnages Incas. Et là, si vous vous demandez pourquoi, tout simplement, parce que... Que regarder au niveau de leurs yeux. Clairement, ils sont violets. Et qu'est-ce qui est violet sur Fortnite C'est tout simplement le cube. Oui, il n'y a que le cube qui est violet. Et en plus, comme on le sait, énormément de personnes dans le monde disent que le regard, c'est un peu le reflet de l'âme. Alors, ce qui voudrait dire que l'âme des Incas aurait été corrompue par le cube. Car oui, on le sait, les Incas étaient bien connus pour convoiter certains trésors. Et ils se sont peut-être approchés de trop près du cube. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le cube aurait finalement possédé les Incas. Alors voilà, s'agit d'une nouvelle malédiction qui va t'envahir la carte de Fortnite. Ce n'est absolument pas impossible vu comment ils ont l'air démoniaques. Clairement, je vous dis les potes, il va falloir se méfier de ces fameux Incas car à mon avis, ils risquent de nous réserver pas mal de grosses surprises et il va falloir se tenir prêt au cas où ça partirait complètement en cacahuète. Alors voilà, que pensez-vous de tout ça les potes Moi, je vous le dis, j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça car moi, je vous le dis, c'est juste complètement dingue. Allez, je vais maintenant passer au moment de la vidéo où je prends le temps de remercier ma superbe communauté et je vais vous afficher la création d'un abonné pour ne pas changer. Alors, un grand merci à toi, ça me fait toujours plaisir de voir vos créations car oui, il y en a de plus en plus et elles sont superbement bien réalisées. Alors, n'hésitez pas à continuer de m'en envoyer ainsi que de m'envoyer vos gameplays sur mon site internet sunted.com. Il y a un formulaire qui est fait pour ça. Alors, un grand merci à vous. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder, plus pouce à la partager et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo vidéo et pour un prochain live ciao les potes